Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 2 pour la suite. Donc c'est parti pour le chapitre 4, normalement, si je dis pas de bêtises, de Léon. Bon, je fais une petite pause pour moi, de quelques minutes, hein, pas de quelques jours, parce que j'ai pas trop le temps de me le permettre. Ça serait bien, hein, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je me mettais dans la tête que je sauvegarde, c'est pour ça que j'ai choisi pas de données. Mort de rire. Allez, c'est parti. Donc la dernière fois, ouais, j'avais sauvegardé ici. Donc, je vais reposer les rubans. Et on va commencer à inspecter les lieux. Puisque là, je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Hein. J'ai été vraiment à l'objectif. Là où je voulais sauvegarder, quoi. Mais là, on va fouiller un petit peu plus, quand même. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Ne serait-ce que... des objets de quête, déjà. Et puis même, vous allez voir. De toute façon, vous allez voir que c'est important, cet endroit, parce que c'est le seul endroit qui va nous permettre de quitter les lieux. Donc, je pense qu'avec ça, vous pouvez comprendre à quel point c'est important. Donc ici, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Hein, quand vous venez ici, le temps que les chiens tombent, en fait, ils n'ont pas du tout le temps de vous toucher. Et là, quand vous repartez, il suffit de courir... Ils peuvent éventuellement vous toucher, comme là, vous avez vu que c'était un peu limite, mais en général, ils vous touchent pas. Si vous vous cognez pas contre les murs, normalement, il n'y a pas de souci. Donc nous, on va aller ici. Ah non, c'est vrai, c'est fermé. Donc les trèfles, ok. Donc nous, c'est de l'autre côté. Je me trompe souvent. Et voilà, c'est ça. C'est ici qu'on doit aller d'abord pour faire une petite énigme. Alors cette énigme-là est assez simple, encore une fois. Elles ne sont pas compliquées, de toute façon, dans le jeu, comme je vous ai dit. Mais vous allez voir que on peut la faire un peu n'importe comment, puisqu'en fait c'est tout simplement une addition et une soustraction en gros. Enfin non, c'est juste de l'addition en fait, mais c'est même pas de soustraction. Ça je confonds avec un autre Resident Evil. Je sais même pas lequel d'ailleurs. Mais il me semble qu'il y a des RE où il y a des additions et des soustractions dans les trucs, mais... Oh, je sais plus lequel. Bon. Donc vous voyez, on doit être à 80. Si on dépasse, c'est mort. Donc un interrupteur. Donc vous voyez, il y en a en tout, il y en a 5. Alors soit il donne 14 de puissance, soit il donne 36. Alors vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous faites 14 au début, après vous pouvez faire 36. Dans tous les cas, faut qu'il y ait normalement 2 36 et 3 14, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. En fait, je sais plus. Je vais en faire un pour voir déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, en fait, oui, c'est bien addition et soustraction, ok, ça fait moins 14. Donc le deuxième, soit vous faites en bas, il y en a qui font souvent haut, bas, haut, bas, haut, bas. Enfin, haut, bas, haut, bas, haut, voilà. Ou sinon, vous pouvez faire deux fois haut, par exemple. Tant que ça dépasse pas 100, c'est bon, c'est juste ça le problème. Après, vous pourrez faire bas, enfin, faut pas que ça dépasse 80 aussi, je crois. Donc bas, hop, là, vous pouvez refaire bas si vous voulez, tac. Et dernier, haut, et voilà. Donc c'est vraiment très simple, c'est juste addition, soustraction. Quoi. Et du coup, ça allume le module de lecteur de cartes, qu'on n'a pas été encore voir. Alors là, on a récupéré la carte, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc vous voyez, c'est ouvert à gauche. Et encore, normalement, non, puisqu'il faut une carte. Étrange. On va voir. Bon, déjà, je chope l'herbe. Enfin, je vais me soigner avec, c'est parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Alors, c'est pareil, oui, pour revenir un petit peu au développement. Hein. On va faire des petites anecdotes un peu comme ça dans chaque vidéo. Quand j'avais joué à la version, donc justement, bêta, il y avait une partie, en fait, des sous-sols de, du commissariat où il y avait carrément une prison. Et en fait, bon, c'était vu que c'était à moitié buggé, tout n'était pas terminé. Mais il y avait des cellules, en fait. Et on pouvait quasiment aller dans chaque cellule. Et si vous voulez, il y a des endroits où, à travers les barreaux, ça faisait comme au début du jeu, dans le premier couloir qu'on traverse sur Royal Leakers. La première fois, il se passe rien, mais la deuxième fois, il y a des mains de zombies qui sortent, vous savez, entre les planches. Et bien là, c'était pareil, il y a des mains de zombies qui sortent, en fait, entre les barreaux de prison. Donc ça c'était assez sympa, sauf que évidemment vu que tous les fichiers sont sortirés, ben, en fait on voit juste des bras s'agiter mais il n'y a pas de son. Donc ça fait con quoi, mais je pense que ça aurait pu être sympa ça. Par contre le coup de la prison, c'est dommage qu'il l'ait pas gardé. Par contre là vous allez voir qu'il y a quand même quelques pièces où il y a des prisons, mais en fait c'est...
Enfin, ouais, c'est pas vraiment des prisons. Enfin, si, des prisons à chiens, encore, on peut appeler ça, mais bon, c'est plus des cages, quoi, en gros. Donc là, on avance, petite cinématique, normalement. The uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Donc c'est ce qu'on va faire, on va l'aider. Mais juste avant, on va récupérer la petite plante, vous voyez, qu'on a vue dans le fond là. Et ouais, elle va pas y échapper. Je te capture, hop. Alors voilà, on voit Ada Wong, la fameuse Ada Wong, tout le monde la connaît Ada Wong. Moi je dis Ada, hein, parce qu'il y en a qui disent Ada, mais je préfère respecter l'accent entre guillemets américain. C'est pas l'histoire de faire stylé, mais je trouve que Ada, ça fait fade en fait, ça fait nul comme prénom, alors que Ada, je sais pas, faites-le dire de cette manière-là, ça fait beaucoup plus sympa je trouve. Mais ouais c'est vrai, Ada j'aime pas, ça fait bizarre. Donc on va l'aider à pousser le camion. Donc elle est à la recherche d'un certain journaliste, Ben Bertolucci, qu'on va pas tarder à croiser, mais qui va avoir des petits soucis de santé. Mais je sais pas si on aura le temps de le voir dans cette vidéo ou pas, donc je préfère pas trop m'avancer pour éviter le spoil. Alors attendez, par contre je vais rebouger mon portable parce que je vois pas le temps, ça me dérange un peu. Voilà. Parce que sinon je voyais pas le temps, donc je sais même pas à combien de vidéos je suis. Ça aurait posé souci. Donc là je suis à peu près, ouais, je suis à 7-8 minutes, quoi, ça va. Ada, wait! Alors comme on peut le voir, Ada a tendance à ne pas écouter les ordres de Léon. Puis vu que c'est une jeune recrue, forcément il a pas trop confiance en lui, il est pas très... Comment on pourrait dire ça C'est quoi déjà le nom? Pas très... Ah, mais c'est pas respectueux, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Autoritaire, non, c'est pas ça. Mais il y a des gens, voilà, qui sont respectés, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom particulier, normalement. Alors là, par contre, c'est bizarre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de photo, ici. Bon, j'ai l'impression qu'on va pas tous les avoir, pardon, avec Léon. On verra bien, mais ça me paraît bizarre, là, de plus en plus. Il n'y a pas beaucoup de... Parce que normalement, il me semblait ici qu'il y avait un ruban, justement, pour les photos à développer. Mais là, il n'y en a pas. Donc, avant d'aller au fond, on va d'abord prendre ce qu'il y a ici. Donc là, on est dans les cellules, justement, on est dans les prisons. Mais bon, il n'y a rien, quoi. Et c'est ça qui est dommage. Là, ils auraient pu faire vraiment un truc cool, genre un long couloir avec des grilles tout autour. Vous voyez, tu sais, comme les prisons américaines, mais les anciennes, où il y a juste un... Un couloir, mais peu large, quoi. Il y a des bras qui pourraient vous choper, quoi. Là, ça aurait vraiment fait un truc pas mal, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas tenté l'expérience, quoi. Enfin, ils avaient voulu faire un truc similaire un peu dans la bêta, si vous voulez, comme je vous avais dit, mais c'était quand même assez large entre les deux. C'était pas un couloir, quand même. C'était une grande allée, hein, je trouve. Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you?
I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Voilà, donc là, il nous l'indique sur la carte. Donc, c'est le fameux chenille que je vous disais tout à l'heure, hein, les cages à chiens, quoi. Alors, je sais pas s'il y a d'autres commentaires. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Bon, il dit la même chose, hein. C'était juste pour vérifier. Donc levier plaque d'égout, c'est quand même bizarre, je trouve pas des rubans photo. Mais bon, tant pis. Donc je voulais dire aussi un autre truc, mais ça par contre, dans la version bêta que j'ai joué, je n'ai pas vu ce personnage là, mais ça devait être peut-être au début du développement de Resident Evil 2, je sais pas. Il devait y avoir un autre personnage, mais là dans ma tête je sais plus, parce que je me rappelle plus si c'était, ça devait être un flic ou un civil qui nous aiderait. Il devait être assez jeune, hein, sûrement l'âge de Léon dans ces eaux-là. Il s'appelait Roy, ça c'est, je suis sûr qu'il s'appelait Roy, le gars il avait des lunettes aussi. Et ça devait être un personnage, voilà, secondaire, mais qui devait sûrement nous aider pendant l'aventure, mais il est nulle part dans le jeu, dans la bêta. Donc je sais pas si c'était vraiment une idée tout au début du développement, mais qui a été abandonnée, ou si il y a eu un problème entre les deux. Je ne sais pas trop. Alors, ici on entend des chiens. Et justement, avant qu'ils attaquent, on va en profiter. Voilà. Alors, je fais pas de bruit parce que j'écoute en fait s'ils se reçoivent les dégâts ou pas. Parce que des fois, soit ils sont trop loin, ou... enfin quand ils sont prêts, ça va. Mais des fois, ils sont un peu trop loin. Donc là ça va, j'ai une vision. Je pense qu'il doit être trop loin, faut que j'attende. Donc ils sont quand même assez résistants, je crois que c'est 4-5 balles pour les tuer. Bon, ça va pas trop changer que ça soit le premier ou le deux de ce côté-là. Voilà. Je crois qu'il y en a un dernier ou pas. On dirait pas. C'était pour être sûr, donc je vais choper l'herbe du coup. Donc on a récupéré une herbe bleue. Ça nous indique quand même qu'il va y avoir du poison dans l'air, un de ces quatre, si je peux dire. Vous allez voir ça bientôt. Donc moi ce passage là, de toute façon je le fais assez rapidement, en général je fais pas chier à les tuer. Alors, vous allez comprendre de qui je parle quand on va passer. Donc je vais utiliser ça, tac. Voilà, c'est magique. Hop. Et ce qui est bien, c'est que ça retire de l'inventaire. Ça fait une place en plus. Et là, on va arriver dans les égouts, du coup. De toute façon, c'était une plaque d'égout, donc bon, c'était prévisible, on va dire. Sauf qu'ici, comme vous voyez, il y a des araignées. Mais ces araignées-là, je les bute jamais. Il n'y a que celle-là, des fois, qui peut faire un peu chier dans l'angle, ça dépend.
Des fois, je me rappelle que la dernière fois que j'avais joué, c'était acharné sur moi, elle arrêtait pas de me choper, il y a d'autres fois, elle me touche pas. Ça, c'est vraiment ultra aléatoire, cet endroit, quoi. Donc nous, on va retourner ici, dans la petite salle de sauvegarde. Alors, encore une herbe bleue, du coup. Donc là, par contre, c'est important quand même d'en garder au moins une sur soi. Ça peut sauver, quand même. Donc toujours combiner un petit peu, hein, ça sert... C'est vrai que ça, c'est... Je le dis pas souvent, par contre. Sur Rudy aussi, était confronté un peu à ça, dans... Bon, je sais pas s'il aura fini Code Veronica d'ici là, mais bon. Quand il faisait Code Veronica, il savait pas trop si on pouvait les combiner ou pas, et les utiliser ou pas. Mais c'est mieux, en fait, de combiner au moins avec une herbe verte, parce qu'en fait, quand t'es empoisonné, dans... que ça soit dans n'importe quel RE, tu perds de la vie, mais progressivement. Et en fait, autant avoir un petit peu de soin combiné avec la bleue, parce que la bleue n'enlève juste ce poison, elle fait rien d'autre. Hein. Elle soigne pas la vie. Donc autant mettre un petit peu de soin, comme ça, si tu t'es fait empoisonner et que t'as perdu un peu de vie, au moins ça te redonne cette vie-là en même temps. Parce que par exemple, si t'as juste une herbe bleue en inventaire, et que t'es empoisonné depuis un moment, que t'enlèves ton poison, que t'es en danger, que t'as rien pour te soigner, c'est la merde, quoi. Que là, autant faire un truc complet, et au moins ça prend moins de place dans l'inventaire, et puis au moins c'est en galère, bah le souci est réglé, quoi. Donc c'est pour ça, moi je préfère faire ça, la plupart des joueurs font ça en général. Ça prend moins de place, quoi, c'est juste de l'optimisation bête et méchant, quoi. Donc ça, alors ça du coup par contre je vais garder. Hop, vous allez comprendre pourquoi, le spray je le repose. Je vais le mettre là, du coup. Et c'est bon. Alors ici, on va avoir la chance de jouer avec un autre personnage. Et oui. Et cette fois, il n'y aura pas de problème par rapport à RE1, où il y a un cheminement à la con à faire. Là, c'est obligatoire. Vous passez une porte, hop, ça vous lance la cinématique. Hop, vous n'avez pas le choix de jouer avec ce perso. Donc ça, c'est plutôt sympa. Même si d'un autre côté, dans le 1, du coup, ça rajoute un peu de... Ça fait une rejouabilité, quelque part, parce qu'on peut refaire une partie avec des trucs différents. Mais bon, du coup, faut le savoir, quoi. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec Internet et tout, on sait tous que quand il y a un jeu qui propose plusieurs fins, c'est facile de le savoir avec Internet. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 96-97, c'était une autre histoire, quoi. Donc en fait, les prises fous servaient à ici. Donc voilà, ce tableau doit servir à ouvrir le verrou. Des détails sur les différentes prises. Insertion prise roi, insertion prise tour, insertion prise fou, insertion prise cavalier. Voilà. Merde, j'ai appuyé une fois de trop. Donc voilà, là ça peut pas être plus explicite. Hein. Donc, on va mettre ça. Donc nous, celle qui nous manque, en fait, c'est la prise cavalier qu'on récupérera, en fait... Dans pas très longtemps, en fait. Hein. Je pense pas que ça soit dans très longtemps. Et ça sera pas encore maintenant. Donc là, vous êtes obligé de faire ça si vous voulez déclencher, par contre, le truc d'Aida, parce que sinon, vous allez tourner en rond pendant un moment si vous faites pas ça, je crois. Enfin, il me semble. Il faut au moins rentrer dans la pièce et ressortir, il me semble. Aida? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Et c'est parti, on prend le contrôle d'Aida Wong. Donc on va tout de suite dans l'inventaire, donc on voit une petite photo d'elle à gauche, évidemment. Un petit peu pixelisée, on a du mal à voir qu'elle est... Enfin, on sait quand même qu'elle est asiatique, je pense. Enfin là, ça se voit peut-être pas trop, mais... Ouais, quoique, en fait, on peut pas vraiment savoir. Hein. Parce que y a aussi les images pré-rendues de l'époque, comme pour les persos de Léon, Claire et tout. Où là, on voit quand même qu'elle a un style asiatique. Mais là, c'est vrai que sur l'image comme ça, c'est difficile de juger. Alors, on va regarder sa petite photo. Ada et John, ils ont l'air heureux. Voilà.
Donc jeune, apparemment, il avait l'air d'être blond, châtain blond, hein, d'après la photo. Mais malheureusement, John, bah, il doit être mort dans le... Dans le... Comment ça s'appelle ? Le manoir de, bah, du Resident Evil 1. Alors... Donc ici, il va y avoir des cabots. Alors... on peut réussir à les esquiver sans se faire toucher. Ça m'arrive. Mais la plupart du temps... La plupart du temps, je me fais au moins bouffer une fois, comme c'est le cas là. Mais il y a aussi une fois où j'ai failli crever, et là je déconne pas. Je sais pas comment, je suis jamais fait troller à ce point-là par des chiens. Surtout dans Resident Evil 2, parce que le 1 encore, pourquoi pas. Mais dans le 2, je me suis jamais fait troller à ce point-là, mais c'était un truc de malade. Hein. J'ai vraiment failli crever, j'étais en danger, quoi. Donc je traînais la patte pour réussir à me démerder, mais pff, c'était vraiment chaud. Mais ça dépend des fois, je sais pas, il suffit que vous coincez un petit peu, qu'il y en a un qui commence à vous enchaîner, forcément ça laisse du temps à l'autre pour arriver. Puis après, bon bah une fois que les deux sont là, c'est parti quoi. C'est une partouze le truc quoi. Vous avez le temps de rien faire. Alors ici on récupère un petit plan. Donc ouais. Vous avez vu que l'endroit où j'ai été, là avec l'ascenseur, on n'est pas obligé d'y aller, c'est optionnel. Mais ça permet quand même de choper des munitions de pompe, donc c'est plutôt sympa quoi. Donc la petite énigme des caisses, ça fait quand même penser au 1, mais aussi au 0. Alors le 0, c'était un peu préparé, sauf qu'au milieu, il y avait une espèce de plaque tournante, hein, comme vous savez. Enfin, c'était une porte en forme de croix, je crois. Qui nous Non, c'était même pas en forme de croix. Non, c'était juste une porte qui pivotait. Et du coup, elle empêchait certaines caisses de passer, donc il fallait faire ça dans un certain ordre. C'était un petit peu le bordel, que là, c'est simplifié, quoi. Mais on voit quand même les ressemblances qu'il y a quand même flagrantes avec Resident Evil 0, c'est là qu'on se rend compte quand même que les deux ont été développés en simultané. Il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça. Enfin, j'appelle ça des clins d'œil, mais évidemment, on s'en est pas vraiment. C'est juste que ils devaient se partager un petit peu les tâches, et forcément, pendant qu'il y en a qui bossent sur le 2, ils se disent tiens, cette énigme-là serait sympa de la reprendre, mais on la modifie un peu. Je pense qu'en imaginant, ils devaient faire ça. Quoi. Puis ça fait aussi penser à l'énigme du 1, il faut pousser les caisses, vous savez, dans le très très long couloir. Mais là, c'est un petit peu différent, quand même. Mais ça y fait quand même penser, parce qu'au final, c'est pour la même chose. Hein. Toujours le souci, faire flotter des caisses pour aller choper un objet, quoi. Donc on va activer le truc. Hop, glou glou glou. Et voilà. Là, on voit l'eau monter en temps réel, ce qui est plutôt sympa. Bon, même si c'est pas fait en image de synthèse pour l'occasion. Et on récupère la clé trèfle qui nous permettra d'ouvrir donc les dernières portes qu'il y a dans le commissariat. Et ensuite, on passera à autre chose, j'ai envie de dire. Donc les cabots, ils sont toujours là. Le premier, c'est bon. Le deuxième, je pense qu'il va pas avoir le temps de réagir. Ah, dommage. Juste sur la fin, pas. En fait, je me suis arrêté trop tôt. Il y a des fois, c'est... Vous devez le voir, hein, quand j'avance, des fois, j'appuie. En fait, je reste appuyé sur le carré pour courir. En même temps, j'appuie pour avancer. Et là, je l'ai fait trop tôt. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! Et voilà, Léon se retrouve de nouveau tout seul. Parce que Ada aime bien travailler toute seule, puisque comme vous le savez, hein, elle n'est pas là par hasard. Excusez-moi. Elle n'est pas vraiment venue pour voir son copain John. Comme vous le savez. Alors du coup, ça sera sûrement des zombies. Bon, ça peut valoir le coup que je prenne le fusil à pompe. À mes remarques, j'ai pas 20 de place après. Non, je vais pas prendre le fusil à pompe, je vais rester au pistolet, je mettrai juste en automatique. Ouais, je parle un petit peu tout seul en même temps, mais de toute façon, je parle tout le temps tout seul.
Enfin, virtuel, peut-être pas, mais en réel, c'est sûr que je parle tout le temps tout seul. Mais bon, là, je pense à voix haute, quoi. Donc, c'est tout, hein. De toute façon, là, j'ai la clé, c'est bon. Donc ça, voilà, j'ai pas mal de soins de côté, plutôt correct. Par rapport à mes parties d'habitude, j'ai l'impression que je suis à peu près pareil. Je me fais pas trop bouffer, hein, dans l'ensemble, ça va. Mais à des fois, en fait, je veux montrer du beau jeu, en fait. C'est ça aussi mon problème. C'est que dans les RE, vous l'avez sûrement remarqué, j'évite de camper. C'est un truc, des fois c'est la meilleure technique pour pas se faire toucher, hein, y a pas de honte. Mais des fois j'aime bien foncer un peu dans le tas, utiliser du corps à corps, enfin vous l'avez vu dans le 6 de toute façon. Voilà, montrer un petit peu du beau jeu, quoi, histoire que ça soit assez sympa à regarder. Et vu que je le fais aussi dans les anciens RE, bah ça passe moins bien dans les anciens RE, parce que comme vous savez, le corps à corps ça existe pas. Et bon, ça joue un peu des tours, mais bon, ça passe toujours. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des fois, je pourrais utiliser fusée à pompe pour être tranquille à courte distance. Mais des fois, j'ai envie de prendre du risque, shooter au flingue tranquillement. Bon, après, c'est moi qui décide de prendre ces risques-là. Hein. Alors, du coup, on va retourner de l'autre côté du garage. Par contre, ce qui est étrange, c'est que j'ai pas appelé Claire. Ou c'est peut-être pas dans le scénario. Parce que normalement, on doit l'appeler avec notre Totty Walkie. Et justement, lui dire que bah, la voie est libre, hein, du coup. Et qu'elle peut passer par le garage. Il y a une petite cinématique là-dessus, normalement. Mais ça doit pas être dans le scénario. Peut-être après, je sais pas. Alors, comme on entend, il y a des liqueurs. Alors là, par contre, j'avais oublié. Il me semblait que c'était dans le scénario B, mais non, il y en a aussi ici. Donc ça va être compliqué, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de soins. Ouais, et puis il est sur le chemin. Alors attendez, je vais regarder la carte. Parce que je vais essayer de sprinter et l'esquiver. Ouais, donc c'est bien celui-là. Ah ouais, c'est à l'opposé, quoi. Donc moi, juste pour titre indicatif, c'est le vert qui clignote où je dois aller. Puis moi, évidemment, je suis la petite flèche, quoi. Donc il y a quand même le long couloir. Et normalement, je crois qu'il y a deux liqueurs. Ça va faire un peu mal, je pense. Je tente ma chance. Bon, le premier, ça passe avec le deuxième. Ouais. Bon, ça va. C'est pas bien méchant. Parce que là, ça peut être un problème, vu que j'ai pas beaucoup de soins. J'ai juste une plante verte. Hein. C'est juste un mélange plante verte, plante bleue. Pour les araignées, mais... Donc là, vous voyez, c'est infesté de zombies, ici. Alors, on a combien? Il y en a 4. Et normalement, il y en aura un cinquième. Bah, celui-là, je crois qu'il va se relever, aussi. Il y en a un qui va sortir des conteneurs, la moitié. Il y en aura 6 en tout, en fait, je crois. Pour dire qu'il y a beaucoup de monde. Donc là, juste ce truc pour mettre la pression, la plaque qui tombe toute seule, normal. Donc on voit déjà que la deuxième, à côté de celle qui est tombée, elle est modélisée en 3D, hein, on voit que le truc va sortir. Donc ici, on récupère la fameuse carte pour aller à la cage d'armes. Alors, je vais essayer de me barrer. J'hésitais un petit peu, c'est pour ça que j'ai pas été rapide. Je me disais, est-ce que je les bute ou pas? Mais non, ça passe. Ça passe. Mais ouais, c'était un peu risqué là quand même. Donc là, je vais aller à la salle d'armes. Donc. Parce que là, c'est vrai que c'est chaud quand même. J'hésite à revenir avec le fusil à pompe quand même. Parce que là. Ouais, je vais pas prendre de risque. On est en wall fou quand même. Ouais, je vais pas prendre de risque. Je préfère me ramener avec le fusil à pompe et les buter. Cela, j'avoue que j'aurais joué perso pour moi, je l'aurais fait. Il m'arrive des fois de pas sauvegarder pendant une heure. Bon, évidemment, t'as méga la rage quand tu meurs, forcément. Mais là, je suis en walkthrough, donc je peux pas trop me permettre de faire ça. Quoi. Donc je vais aller chercher le fusil à pompe, faire ça proprement. Puis récupérer un soin, parce que juste un... C'est surtout que, n'oublions pas, ça je vous l'ai pas dit, les liqueurs peuvent aussi vous décapiter comme dans le 1. Et ça, c'est pareil, c'est quand vous n'avez pas beaucoup de vie, ils prennent de l'élan, en fait, ils se mettent à gueuler, et puis bon, ils font un saut un petit peu comme les hunters. Et je peux vous dire, vous le sentez passer, ça, la décapitation. Donc, faut mieux quand même prévoir. De toute façon, j'ai des soins, je dirais pas en masse, mais quasiment, donc ça va, quoi. J'ai de la marge, je vais prendre le pompe. De toute façon, je vais pas récupérer grand-chose, hein, là où je vais, là. Alors, je vais recharger. De toute façon, je vais juste prendre de quoi les tuer, je vais pas me ramener avec toutes les munitions. Parce qu'en fait, la salle d'armement, vous dites, ouais, mais après, tu vas plus avoir de place dans ton inventaire.
Mais en fait, je vais faire un choix assez spécifique. Et j'ai l'impression qu'il y a peu de joueurs qui le connaissent. Parce que j'ai pas vu énormément de walkthroughs hein, sur Resident Evil 2. J'ai dû en voir 3, je crois. J'ai dû en voir un sur Dailymotion et 2 sur YouTube, je crois. Mais ils font tous la même chose. Alors est-ce que c'est... Tout le monde sait que... Enfin, tout le monde croit que c'est comme ça, en tout cas, je sais pas. Mais je vais vous expliquer une fois dans la salle d'armement. Parce que c'est vrai que la phrase, dans la manière... Enfin, de la manière dont c'est écrit, je crois que ça... Ça induit le joueur en erreur, en fait. C'est sûrement voulu, d'ailleurs. Mais vous allez voir que c'est... Enfin bon, je dis rien, de toute façon, je parlerai sur place. Tu vois, je dis souvent des choses comme ça, mais je me doute bien que vous avez du mal à me suivre parfois. Donc on se rapproche un peu. Donc lui, c'est bon. Vous voyez, il y a des fois, ça ne les fait pas sauter, et lui, il meurt en deux coups. Ça dépend, en fait. Il y a des fois, si vous arrivez à viser dans la tête, ça passe. Donc là, vous voyez, je suis en faible orange. Bon, là, c'est un saut incompris, c'est quand même dommage. Il n'y a plus d'ennemis, là, qui m'attend, donc... Je vais prendre du risque. Normalement, il n'y a pas d'ennemis, donc ça va. Ouais, j'essaie de trouver un mélange de deux herbes, ce serait parfait. Parce que là, ce serait vraiment dommage de gaspiller pour autant de monde. Tac. Donc normalement la carte on en a plus besoin de toute façon, voilà. Et ici de toute façon il n'y a personne. Donc vous allez voir ce qu'il y a dans cette pièce. Alors il y a des munitions classiques un peu sur tous les côtés, donc des munitions de pompe. Donc celles-là sont visibles donc ça va. Des munitions de pistolet, c'est parfait. C'est vrai que les munitions de pistolet là je commence à être un petit peu à court. Il y en a encore là. Voilà je crois que c'est tout. Et ensuite il y a un casier. Donc vous voyez là, il y a une mitraillette, donc je crois que c'est un Ingram, il me semble le nom, et des sacoches. Une mitraillette et une sacoche, ils disent. Je pourrais porter plus d'objets avec la sacoche. Prendre l'un ou l'autre. Donc vous voyez, là vous dites, bah merde, je suis bloqué, faut que j'en prenne l'un. Faut que j'en prenne. Faut que je prenne l'un ou l'autre, quoi. Mais en fait, normalement. Alors attendez, est-ce que là. Elle me dirait, es-tu mytho ou quoi? Normalement, on peut revenir en arrière, là, ça veut pas. Attends, sinon ils vont dire êtes-vous sûr? Ah voilà, c'est ça. Je me disais, putain, il veut me faire mentir le jeu, je vais passer pour un guignol, quoi. Non, vous voyez, on n'est pas obligé de les prendre. Donc, ce que je vais faire, moi, et c'est là que je vous dis, il y a peu de joueurs qui le font. Après, bon, c'est peut-être parce qu'ils ont pas. Ils veulent être plus safe, on va dire, pour le scénario A, je sais pas. Mais moi, je laisse les deux, en fait. Et en fait, pourquoi on peut laisser ou on peut prendre certaines choses. Enfin. Pourquoi on peut prendre qu'une chose ou laisser tout? Tout simplement parce qu'en fait, il va y avoir des répercussions sur le scénario de Claire, donc le Claire B. Et quand on arrivera là avec Claire, on pourra ou pas prendre tel équipement par rapport à ce qu'a pris Léon. Et donc moi, le choix que j'ai fait là, c'est justement de laisser la mitraillette pour Claire, plus les deux emplacements dans son inventaire. Donc je préfère faire ça pour Claire, tout simplement parce que Claire B est plus difficile que Léon A, donc bah voilà, comme ça, ça sera plus simple pour moi. C'est pas plus bête que ça. Donc là, finalement, j'y suis juste allé pour les balles de flingue et les balles de bombe, quoi. Donc voilà, donc là, on va retourner en haut, ouvrir la dernière porte. Est-ce que j'aurai la place? Ouais, c'est bon. C'était quand même juste un niveau place. Mais bon, je vais gagner une place avec la clé trèfle. Alors, on va ouvrir ça. Tac. Ah non, merde, je suis pas en face. De toute façon, j'ai juste à appuyer sur la porte, voilà. Ah, il y a encore une utilisation de clé trèfle. Je sais plus où c'est, parce que là, ça nous emmène où? Ah oui, je vois où l'autre, ça nous emmène. Parce qu'en fait, je pensais à la pièce... je pensais qu'elle était là, en fait. Mais non, c'est pas ici. Alors ici, on est dans une espèce de... Je sais pas, de réfectoire, en fait, j'ai l'impression, si on peut dire. Alors, les rubans encore, déjà, je vais pas les prendre, parce que j'ai plus de place, c'est mort. Par contre, l'autre truc qui est hyper intéressant, et que si vous le prenez pas, vous pouvez faire le jeu sans, mais bon, ce serait quand même con, c'est bien évidemment le magnum, qui est ici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas énormément de place. On peut l'examiner. C'est un désert eagle. Hein. Donc, voilà, calibre 50... Ça marche avec des munitions d'autres 50 à eux.
Et ici, il y a un cadavre, mais celui-là, il n'y a pas de balle dessus. Donc il a été éventré, on lui a tranché la gorge. Donc on imagine que la manière dont il a été buté, ça peut être les liqueurs, c'est possible. Et le poster d'une nana, là, j'avais même pas fait attention. Bon, de toute façon, il n'y a que ça, hein. Si on regarde là même sur le casier, il n'y a que ça. Donc là, il y a un document, on va le lire. Alors, je regarde le temps, 35 minutes. Journal du veilleur de nuit. 11 août, j'ai enfin pu voir le ciel bleu, cela ne m'était pas arrivé depuis des années. Mais ça m'a coûté cher, le boss m'a enguirlandé pour m'être rendu sur la tour de l'horloge pendant le service. Il avait l'air vraiment furax que je monte là-haut, et pas tellement que je fasse une pause... Hein ? Il avait l'air vraiment... Et pas tellement... Ah oui, d'accord, en gros, il était pas furax qu'il fasse une pause... Mais qu'il monte là-haut, par contre, c'était un problème. Bizarre, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette tour ? 5 septembre, récemment, j'ai discuté avec le vieux type qui s'occupe de la décharge à côté. Il s'appelle Thomas, et est plutôt calme. C'est un fanat de jeux d'échecs. À tel point qu'il a créé, pour l'une des portes de la décharge, une serrure spéciale fonctionnant avec des pièces de jeux d'échecs. Si ça vous dit rien, c'est qu'il y a un malaise. Normalement, on doit jouer aux échecs demain soir. Je me demande quel est son niveau. Une chose m'étonne chez lui, il passe son temps à se gratter. Il doit avoir une maladie de peau ou quelque chose comme ça. 9 septembre. Finalement, Thomas est bien meilleur que je ne le pensais. Je croyais être bon aux échecs, mais là, il m'a rabattu mon caquet. C'est pas claqué, non, je sais pas. Il y a un autre domaine où je ne lui arrive pas à la cheville, l'appétit. Il n'a pas arrêté de parler du plaisir de manger. Pendant toute la partie, il semble pourtant être en bonne condition physique, cependant il n'avait pas l'air d'être dans son assiette. 12 septembre, je devais prendre ma revanche sur Thomas aux échecs, mais on a dû annuler parce qu'il était malade. Il est venu me voir pour me le dire, mais je l'ai vite renvoyé chez lui car il allait vraiment mal. Lui, il disait qu'il était ok, mais il était évident qu'il n'en menait pas large. D'ailleurs, moi-même, c'est pas la grande forme ces jours-ci. 3 petits points. Alors ce journal, ça fait vraiment penser au journal du chercheur dans Resident Evil 1. Vous savez, dans la petite chambre, là où il y a justement la fameuse armoire, où il y a un zombie qui sort de l'armoire, il y a un document à lire ici. Et je me rappelle, je crois, le mec qui dit « Oh, quel salaud, il a triché au poker » ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Puis après, il dit « Tiens, j'ai oublié de nourrir les chiens, machin. » Je me rappelle. Et après, il dit « Il dit quoi déjà ?» Il dit que l'autre, ça l'a... Comment ça s'appelle ? Le gars, là, il peut pas le blairer ou je sais pas quoi. Et puis après, ça commence à partir en délire. J'ai mangé... Enfin, en gros, il le dit pas ouvertement, mais en gros, il a bouffé le mec. Puis ça fait... délicieux, délicieux. Donc voilà, c'est un petit peu près dans le même genre. On voit l'évolution, en fait. Les mecs tiennent un journal, et puis petit à petit, on voit qu'il y a des trucs qui clochent, et à la fin, ils sont contaminés, quoi. Alors ici, j'arrive où ? Faut que je regarde la carte. Donc oui, il y a là-bas. Mais avant, faut que j'aille... Je sais pas si je passe par en haut ou en bas. Non, en bas, ce sera plus rapide. Parce qu'en haut, il y a plusieurs couloirs. Je préfère passer par en bas. Parce que là, comme vous voyez, je suis plein. Donc je vais pas pouvoir faire l'énigme, sinon. Donc je vais d'abord poser des choses. Dont le magnum, parce qu'on va pas tarder en avoir besoin, mais c'est pas encore maintenant. Qu'est-ce que je pourrais dire sinon, tiens, en parlant du développement? Ah bah oui, vu qu'on a vu Ada, maintenant je peux dire des choses dessus, parce qu'au début je voulais pas trop spoiler là-dessus, même si tout le monde sait qu'il y a Ada, je préférais garder ça pour un peu plus tard. Et donc oui, Ada Wong, dans la version bêta, je cherche toujours le mot bêta, je sais pas pourquoi, dans la version en développement, on va dire, Ada ne s'appelait pas Ada justement. C'est ça qui est assez marrant. Elle s'appelait Linda. Vous allez me dire, oh, ça ressemble, machin. Bah, je sais pas pourquoi ils ont changé son nom. J'ai une petite idée par rapport à un épilogue de Resident Evil 3 où ils expliquent ce que devient Ada après les événements de Raccoon City. Mais j'en dirai pas plus dans Resident Evil 2, tout simplement, parce que ça spoilerait le Resident Evil 3. Et puis ils en parlent pas plus aussi, que ça soit aussi bien dans Umbrella Chronicle, Darkseid Chronicle, ou Resident Evil 4, ou Resident Evil 6, enfin là où elle apparaît, quoi. Donc c'est pour ça, je préfère garder ça pour RE3. Mais j'ai ma petite idée. C'est qu'une supposition, hein, évidemment, c'est pas... Y a pas de truc écrit noir sur blanc.
Mais ça pourrait être possible en tout cas, je pense. Par contre, du coup, là, j'ai que deux trucs. Hein. J'ai que deux pellicules photos, là, y a un problème. Hein. Je vais repasser. Ouais, mais si je repasse dans les salles interrogatoires, y a les putains de knickers. Oh, pourtant, j'ai pris, je suis sûr. Il devait pas y en avoir. Je pense que dans le scénario, on peut pas tous y accéder, j'ai l'impression. Tant pis, tant pis. Oui, c'est par là. J'avais un petit doute. Donc ouais, sinon, bah, à propos de d'Aida, donc bon, il y avait son nom, Linda, mais il n'y avait pas que. Faut savoir aussi que normalement, on aurait dû la voir dans les scènes cinématiques en images de synthèse. Alors, peut-être pas dans celle-ci, mais il y a une autre image de synthèse où on jouera avec elle, justement, où elle a une conversation avec une certaine personne, et on voit justement cette certaine personne dans l'image de, enfin, dans la cinématique en image de synthèse, mais on ne voit pas Aida. Et en fait, l'explication est toute simple, c'est parce que ils ont eu des petites galères de temps pendant le développement, et ils n'avaient pas fini en fait la figurine d'Aida pour faire le, justement les vidéos en stop motion, hein, je vous avais expliqué. Et du coup, bah, on la voit pas dans la cinématique, mais on peut quand même avoir un rendu final, donc de meilleure qualité que le rendu 3D in-game, quoi. Sur YouTube, on peut voir justement à quoi ressemble Aida en réalité. Donc vous tapez, si vous voulez, sur Google, hein, Aida Resident Evil 2. Après, vous mettez PS1 derrière, parce que sinon vous allez avoir que les images de Darkseid Chronicle ou Umbrella Chronicle. Ah bah voilà, il y a un autre truc photo, là. Bon, déjà, ça en fait 3, mais le quatrième, je vois pas où il est. Parce que j'ai chopé celui d'Albert, celui dans le coffre. Celui-là, pour moi, il y en avait un dans les égouts, mais là, je le vois pas, donc je comprends pas, ça doit pas être ce scénario. C'est bizarre. Donc ici, une nouvelle énigme, l'image d'un homme sur un char, il y a quelque chose sur la roue, allumer la reine, le roi et le valet, pour que le char avance. Alors cette énigme, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris, mais en fait, elle est très simple. Encore une fois, comme je vous ai dit. Bon, après, là, c'est simple, parce que faut faire le lien, on va dire. Mais c'est vrai que je peux comprendre que celle-là, on ne voit pas ce qu'ils veulent dire. Quoi. Donc là, il y a un petit spray qui était planqué. Donc en premier lieu, déjà, faut allumer ici. Allumer le feu ici. Tiens, pour interrogation, ça veut clairement dire allez hop, allume. Une fois allumé, donc là, vous avez des numéros. Donc là, gravé numéro 11. On ne sait pas ce que c'est. On se dit, bah, voilà quoi. Numéro 12, on ne sait pas ce que c'est non plus. Mais en fait, ce sont tout simplement les chiffres des cartes, enfin les valeurs des cartes en réalité. Bon, déjà là, je me suis trompé. Je vais mettre nom. Ah putain, je peux pas mettre nom, bon, faut que je le sorte alors. Parce que je voulais mettre nom, mais j'ai appuyé sur oui sans faire exprès. Et en fait, c'est tout simplement les valeurs des cartes. Bon, après, je suis pas un expert en poker ou quoi que ce soit, mais bon, je sais que les cartes ça va de 1, donc 1 c'est l'as, jusqu'à 10. Après, ça dépend des cartes, je crois. Parce qu'il y en a, ça va jusqu'à 8, je crois. Enfin, je sais plus trop. Sauf qu'après, en fait, valet, ça doit être 10, la reine, je crois, c'est 11, et le roi, c'est 12. Et en fait, faut juste faire... trouver cet équivalent-là et suivre l'énigme, donc ils avaient dit, hein, dans l'ordre. Et en fait, normalement, c'est là en premier. Tac. Après, c'est celui-là, je crois. Tac. Et le valet pour finir. Voilà. Et on arrive à récupérer un engrenage. Et ça devrait vous rappeler quelque chose, puisqu'il en manquait un, justement, dans le grenier du commissariat. Ouais, bah, j'avais remarqué, moi. Elle est partée, un ramassin. Tac, voilà. Et donc, du coup, maintenant, on peut y aller. Alors, par contre, je vais peut-être pas prendre le raccourci, je vais passer de l'autre côté, tout simplement, parce que je vais développer les films. Sur le quatrième, c'est pas maintenant qu'on va le trouver, je crois pas, hein. Parce que là, pour moi, c'est fini. Hein. Donc, là, on va quitter le commissariat bientôt, hein, c'est pour vous dire. Donc, le dernier truc de photo, c'est bizarre. À moins que je suis passé devant, et puis en parlant, forcément, je les zappais, je sais pas. Mais de toute façon, au pire, on aura l'occasion de le revoir avec Claire, au pire. Il me reste 3 scénarios derrière pour me rattraper. Hein. Donc, c'est pas, je suis pas assez prêt non plus, quoi. Mais c'est quand même bizarre, il me semblait qu'on pouvait les avoir les 4 avec Léo. Et comme je vous dis, je pense que c'est dû au fait que je parle en même temps, j'ai pas dû faire attention. Donc on va aller en face. Alors d'abord, je vais peut-être faire un petit tour au coffre.
Déjà, je vais aller me soigner. Parce que rester avec l'épaule démanchée, ça fait pas tip top. Surtout en orange. Jaune, ça passe, mais orange, c'est quand même jouer un petit peu avec la mort, on va dire. Alors. Donc ça, je garde. Bah ça aussi, je garde. Le spray, je le balance. Hop. Les trucs bleus, je vais les récupérer plus tard. Parce que là, j'en ai plus besoin. Puis je pense qu'on est pas mal. Et c'est reparti. J'ai oublié de me soigner, du coup. Bon, c'est pas grave. Je dis que je devais me soigner, je le fais pas. Alors que je dis que je prends des risques, mais c'est pas grave. Je le fais pas quand même. Mais faut pas chercher à comprendre. Disons que j'ai envie de... J'ai la flemme, quoi. Ce que je crois, j'ai en plus, j'ai des herbes vertes séparées dans le coffre, il me semble, mais... J'ai la flemme. Ah, du coup, je l'ai mis là, le cordon. Je me suis même pas rendu compte quand je vous ai expliqué, en fait. C'est vraiment con, parce que je devais le mettre, justement, après, je pense à le remettre en revenant. En fait, je vous ai pas expliqué. Donc, en fait, ce que je vous disais, le cordon ne sert pas énormément. Parce qu'en fait, il sert, donc, vous voyez, à fermer les volets. Et ça a justement un impact sur le deuxième scénario avec Claire, sauf que il va s'ouvrir très rapidement après. Donc ça va juste aider Claire pendant un ou deux passages, et encore, parce que bon, on finit tous par les buter, les zombies, donc c'est pas... C'est pour ça que je dis que ça sert à rien, parce qu'en fait, c'est... Ça recule un petit peu l'échéance, si vous voulez, mais c'est... C'est tellement limite que finalement, ça sert pas à grand-chose. Enfin, je trouve. Alors par contre, on est déjà à 46 minutes, donc en fait, je vais peut-être pas faire tout ce que j'ai dit. J'ai pas vu le temps passer, encore une fois, j'étais à fond dedans, là. Donc on va s'arrêter là, je pense. En plus, je suis dans une salle de sauvegarde. Je vais quand même vous montrer les photos avant. Et puis on s'arrêtera là. Alors, les photos. Tac. Donc film A. Donc faites attention à ce décor là parce qu'on le verra bien plus tard dans le jeu vers la fin en faisant une certaine énigme entre guillemets. Et on le verra même pas dans le scénario A d'ailleurs. Parce qu'on est obligé d'avoir... Enfin je vous expliquerai plus tard. Donc film A. Donc on voit une espèce de bras avec les griffes. Et le... On voit bien l'œil aussi en haut de l'épaule. Enfin c'est un peu rouge, on voit peut-être pas trop mais on voit quand même l'œil. Donc code G, expérience sur le corps humain. Donc le 15 septembre à 15h24. Donc ça c'était la première photo. Donc ça rajoute du background, mais comme je vous dis, au niveau de l'histoire, c'est pas primordial quoi. Si t'as loupé une photo, c'est pas grave quoi. Donc là un cadavre. Ici, devant Arukas, le patient a mis 2 heures à atteindre le stade de zombie. Le sujet se plaignit constamment de démangeaisons épidermiques et d'un sentiment aigu de nausée. Ses troubles ont disparu lorsqu'il a perdu connaissance. Donc ça, vous voyez, c'est une photo de Ben Bertolucci, donc le journaliste qui s'est enfermé lui-même en tôle, hein, du coup. Juste parce qu'il a peur de se faire buter, quoi. Forcément, il en sait trop, donc c'est moyen. Donc ça, la fameuse recrue. Donc en fait, c'est Rebecca, ça. Alors, on la reconnaît quand même, hein, je pense. Moi, je me rappelle Kirito qui regardait, il disait « photo d'un garçon ». Bon, elle a pas beaucoup de poitrine, je veux bien, mais bon, la tête, si t'as joué au 1, normalement, dans la cinématique, te rappelle pas, elle avait un ruban rouge, normalement. Donc voilà, c'était le petit détail. Et je trouvais ça marrant qu'ils disent que c'est un garçon, je me suis dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, c'est Rebecca, en fait, hein, c'est tout simplement, avec son truc RPD. En sachant qu'elle est assez jeune, hein, je crois qu'elle a 18 ou 20 ans, il me semble, dans les événements. Donc elle est quand même très très jeune. Donc je vais sauvegarder. Voilà, donc désolé, je ferai une petite coupure parce que là j'ai fait la sauvegarde et tout. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps le téléphone. Donc vous voyez, ça fait du. Donc oui, j'ai reçu un coup de téléphone, donc c'est pour ça. Je pensais que ça allait durer moins longtemps, je pensais que c'était de la pub, mais en fait non, c'est quelqu'un que je connais, que je vais devoir rappeler même. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme toujours. Et on se dit à la prochaine pour le chapitre 5. Allez, à plus!